Waouh, regarde! Ah oui. C'est hyper beau! Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ark, du coup, où, comme vous avez vu dans le titre, on va remonter à la surface pour voir ce qui s'y passe un petit peu. Puisque lors d'un épisode, on était remonté justement à la surface, j'avais découvert ce qu'il y avait en haut. Autrement dit, c'est un petit peu l'apocalypse là-haut. Du coup, on va refaire ça avec Anto, là, on va remonter pour voir, sauf que là, on va y aller en Drake, ce qui va faire que ça va être extrêmement rapide. Par contre, avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer vite fait quelques petits changements qu'il y a eu encore. Parce que j'aime bien vous montrer un petit peu les changements qu'il y a sur la base. Alors, là, j'ai fait une petite. Alors, regardez, attention. Tout a été repeint en noir. Enfin, du coup, ça refonce plus les structures qu'autre chose. Donc, c'est plus joli. Ça t'éclate moins la rétine, on va dire. Hop, ça, on enlève. Du coup, ici, j'ai fait une petite maison avec un petit ovis trop mignon en haut. Super. Bien évidemment, c'est une peluche. Ce n'est pas coupé un novice. Du coup, ici, j'ai mis tous les pets, puisque vous avez été nombreux à dire Kiki, c'est quand que tu fais une maison pour les pets, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Donc oui, il y a plus de bulldogs, effectivement, que d'autres races, mais c'est comme ça, et c'est tout. Donc du coup, voilà, ici, on pourra mettre du coup tous les bulldogs et toutes les autres races. Alors ensuite, ça, on ferme, ça dégage. Du coup, ici, en attendant, bah, j'ai fait ça. Alors j'ai fait une petite structure pour poser les drakes en hauteur. Donc je vais voir comment je vais le faire. J'ai fait ça hier. Donc c'est pas encore terminé. Du coup, faudra faire une petite échelle et tout le bordel. Donc j'ai mis ça en attendant. Voilà, un petit peu de décoration, les copains. Vous voyez, ici, de quoi construire. Regardez comment elle est stylée, cette... Putain! Il y a Anto qui est passé. J'espère que ça s'est vu à ma réaction. J'ai fait une tête. Genre, je me suis pas sentie bien. Il y a eu un moment de doute. Du coup, là, il y a la petite cheminée. Voilà, on n'est pas trop mal. Avec le petit corbac ici. Je vais vous montrer un petit peu. Ici, on a la map The Island, du coup, qui est assez cool. De toute façon, si vous voulez savoir les modes qu'on utilise sur Ark, tout est listé dans la barre d'infos. De toute façon, vous avez la collection. Hop, ici, devinez qui on a ici. Oh, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore eu l'occasion de leur nommer, les copains. Alors, attendez, on va le faire tout de suite. On n'a pas eu l'occasion, pardon, de le renommer. Donc, on va le faire maintenant. Donc, en fait, le nom qui a gagné, parce que vous avez été nombreux à me le dire. J'ai lu tous vos messages et c'était assez drôle. D'ailleurs, il y avait Nagini qui revenait, il y avait Tom Geduzor, il y en avait plein, il y en a eu énormément. Vous avez été nombreux à chercher, merci beaucoup. Et du coup, celui qui m'a le plus justement marqué, c'est Tom Geduzor. Voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué. Effectivement, j'aurais dû y penser, j'étais bête de pas y penser. Alors, on va le sortir, il va vous dire un petit coucou. Ok, il m'a carrément coincé comme une merde, merci. Voilà, regardez, est-ce qu'il est pas beau comme ça? Est-ce qu'il est pas beau gosse comme ça? Je lui repeins la selle en noir, les amis. Il est hyper beau, hein, sans déconner, il est magnifique. Alors, bon, je suis pas fan des serpents, mais pour le coup, lui, je l'adore. Hop, hop, il va se renterrer. Et du coup, c'est pas plus mal, il ira bien avec Aragog, du coup, qui est Aragog, nom d'Harry Potter aussi. Du coup, j'ai pas aussi les structures en noir. Anto a fait tout un petit système de structures sympa pour éviter de monter avec la corde, c'est chiant. Technique de flemmard, mais bon, ça prenait moins de place, je suis d'accord avec vous. Donc ici, j'ai emménagé ça et tout l'intérieur, donc je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Kiki a pris le temps de faire un petit peu de déco, Kiki d'Amido. Donc ici, j'ai décoré un petit peu, regardez-moi ça. Alors, on a décoré un petit peu, enfin, j'ai décoré un petit peu. Ici, je voulais mettre en fait la cheminée que vous avez vue en bas, sauf que le truc était trop grand, il prenait 3 étages. Du coup, ça coupait le 3e étage, on pouvait rien y faire. Donc d'ici, alors juste ici, on a le petit corbeau, assez sympa avec la petite animation. Hop, on a un canapé, de quoi se poser. Ici, une petite tête de wyvern, bien cool aussi. Donc ici, 2e étage avec les chambres qui n'ont pas été fermées. Ici, on peut retrouver du coup, d'ailleurs, l'épisode d'avant, j'avais dit le cadavre d'Arken, alors qu'en fait, c'est son corps, hein, il est pas mort. Du coup, voilà, sa chambre qui est juste ici. Hop, on va le laisser dans son intimité avec sa chef, je sais pas ce qu'il faisait, c'était carrément malsain, faudra lui demander dans les commentaires. Ici, j'ai mis la salle de bain, j'ai pas encore mis en place les toilettes, mais regardez, est-ce que c'est pas beau ça? On peut carrément s'allonger, c'est magnifique. Alors du coup, ici, bon j'ai mis ça en attendant, et ici c'est la chambre d'Anto, voilà, que j'ai décoré. De toute façon j'ai tout décoré, hein, c'est moi qui ai tout fait. Donc ici, la chambre d'Anto que j'ai décoré comme ça. Bon moi j'ai une chambre beaucoup plus spacieuse, voyez-vous, puisque je suis dans le monde de YouTube. Non, non, vous allez voir. Alors... ici, bon bah, on retourne avec la cheminée, un petit peu de déco, vue sur le balcon, comme je vous avais montré, de toute façon. Ah bah là, on peut directement accéder à ma chambre, vous allez voir. Hop là, et voilà, là on est dans ma chambre. Du coup, regardez, c'est pas chouette, franchement, j'ai mis un petit bouclier ici, un petit tapis pour qu'on soit cosy, un petit lit, une petite bougie, une petite mallette qui fait penser aux animaux fantastiques, petit clin d'œil Harry Potter, du coup, et un petit trône, bien sympa, avec petite bougie juste au-dessus. Donc voilà pour les changements qui ont été apportés, justement, sur le jeu hier. J'ai fait que de farmer sur Ark, sans déconner, j'ai pas arrêté, j'ai dû y jouer pendant au moins 10 heures facile. Bon, les amis, du coup, il commence à faire nuit, donc on se retrouve tout de suite à la surface. Alors attends, par contre, moi, je vais regarder l'heure, parce que... il est 20h, bon. L'équivalent de 20h. Passe. C'est bon, on est alors, bien. Le but là, ça va être de voler et de ne pas toucher le sol. Oh, ça va être chaud.
Ah ouais. Ah, tu veux essayer de tout faire comme ça? Bah, parce que dès qu'on touche le sol, on va aggro les queens et tout ça, enfin les kings. Je sais aussi que en surface il y a du loot beaucoup plus intéressant. Eh franchement, si on peut se permettre de faire un petit cas juste comme ça là, enfin pardon, d'enlever la TH pour regarder un petit peu la beauté du truc, c'est ouf. La map elle est très belle. Hein. Et c'est moi ça me fait penser ouf, à Riddick. Hein. Donc en fait en haut du coup Anto, dis-nous un petit peu ce qu'il y a, explique-nous un petit peu en haut de cette surface. Ici en surface on a du coup des Nameless je qui pop à l'infini, on a des Seekers qui... C'est entre guillemets leur lieu, c'est chez eux quoi. Ouais, c'est leur chez eux. On a des Kings, des Reaper Kings, des Reaper Kings de surface, parce que bien sûr, faut bien préciser le surface parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. On a aussi. Putain, c'est quoi là-bas? Je suis pas allé moi. C'est un loot violet. Alors attends, je vais essayer de pas. Le but ça va être. Ah là, je peux. Putain. Dash dès que tu peux. C'est bon. Le but était de se rapprocher ou pas? Ouais, attends, il y a un loot. Ah bah ça c'est une arène de boss. Comme tu peux voir, là on voit un vaisseau à côté, un truc qui vole. En haut là? Ah non, c'est un pilier cassé en face, ouais, tu le vois. Ouais, ça fait un pilier, ça fait vachement. Mais en fait, il y a une autre planète en face ou quoi? Ça a l'air. Genre c'est le système solaire de cette planète. Dash. Merde, t'es où? En face, j'ai dash en face. Ouais là. Okay, t'as pas obligé de sauter hein, tu peux vraiment dash hein. Tu peux dash carrément. Sans sauter. Ouais. Ouais, ouais, moi je saute pas hein, je fais que des dash depuis tout à l'heure. Oh. Ah oui, t'as raison, ça a l'air vide de tout. D'accord, là. Et je suppose qu'on peut faire des bases quand même en surface, parce qu'on a quand même des... De quoi faire des recharges. Eh, Anto, monte au sommet. J'arrive. Enfin, un beau screen là, une belle photo. Quand tu montes au sommet, ça a de la gueule, hein, sans déconner. Hein. En vrai, on dirait que c'est trop facile de venir en surface après. Ouais, la map est hyper belle. Hein. C'est vraiment pour regarder qu'est-ce qu'il y a en surface de la map, qu'est-ce qu'on peut y trouver, est-ce que le stuff est plus intéressant. Donc, forcément, oui, puisque cette zone-là est plus dangereuse. Il est quelle heure? 23h09, faut qu'on regarde vite. Hein. Ouais, t'inquiète. Du coup, faut qu'on aille au fond. Moi, j'aimerais bien aller au fond. Le but ouais, de, mais genre, j'essaie de ramasser un la peu. Map. Il y a du. En fait, il y a des pierres de pétrole en bas. Et des pierres d'element or. Et element or sert à craver à. C'est les éléments. Mais tu viens de me dépasser, hein. Queen, Queen. Oh, putain, Max. Vol, vol, vol. La flie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre comme bruit quand même. Ouais, je me suis dit pareil. Oui, bah je te dis, en fait, c'est aussi sur les structures, j'ai l'impression. Parce qu'on était sur ouais, les structures quand ouais, même. Mais pas si on est sur les pics, non, en fait, c'est les structures où il y a du sable. Donc là, du coup, on est vraiment ouais, sur la découverte. Enfin, la découverte. J'avais vu, du coup, avec SK. Avec les copains, j'avais vu l'autre coup justement ce que donnait la map, mais j'avais pas fait tout le tour en Drake. Mais franchement, c'est pauvre en dinosaures là-haut, enfin en créatures. Ils sont tous sous terre, ces connards. Hein. Ouais, voilà, mais t'as des Seekers, t'as des. Oh mince, des Nameless. Ouais, c'est bon, stop. Ok. Tu peux monter sur ton dino après, hein, que tu puisses bouger. Hein. C'est bon, il va bien. Alors attends, par contre, je vais juste mettre ça, 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 et le reste, je le dégage. Voilà, nickel, on est bien. Hop. Bon, ouais, alors là, faut qu'on 300. Fasse une partie de la map qu'on n'a pas fait, qu'on en profite. Il est quelle heure? Une heure, c'est bon, ça passe. Podage sur la structure à côté du truc violet là. Il y a le boss machin, enfin c'est le... Là, je pense qu'on repart après de nouveau sur un mur invisible. Ah, tu vois, là on n'a pas fait, ouais. Ouais, vois, c'est regarde là qu'on a là-bas, pas fait. T'as une structure. Hey, regarde Anto là-bas. Vraiment en face de là où je regarde. T'as une sorte de structure de pilier métallique. Oh putain. Oh, je suis pas bien. T'es où? T'es déjà là-bas? Ouais, moi j'y suis. Putain. Moi j'y suis allé en volant après. Ce que j'ai vu, mais. Putain, y'a quoi en bas quand même? Eh. Hey. Regarde à droite, il va à gauche, c'est insupportable. Une sorte de plateforme. Qui a l'air de contenir que dalle, hein, si je puis me permettre. Je vais me foutre la tête à l'envers. Non, à mon avis, il y a rien de ouf en fait, c'est juste il y a rien ah non, ici. Non, c'est juste un pilier, ouais. Ah mais je regarde et en bas, c'est quoi du coup? Ah oui, OK. Je voyais un truc jaune qui tournait. Hop. On va aller par chercher contre, attends, je vais remonter. Ouais, vas-y. Quelle heure il est? 2h.
passe. Faut voir, à 3h, faut qu'on bouge, parce que je sais que des fois, à 4h, j'ai l'impression qu'on peut encore découvrir dans l'angle. T'as vu en haut à droite, on n'a pas découvert l'angle, hein. Et on pouvait encore descendre, moi, ça m'a découvert. Ouais, je sais, mais c'est un peu greedy. C'est vraiment pas loin, c'est greedy ce que je fais. Hein. Arrête avec greedy, ça devient chiant. C'est dangereux. Vas-y, au pire, je dash, y'a un problème. C'est cool. Vas-y, monte. Et vas-y, on se casse. T'avais un truc aux fesses. Ah, oh, il commence à faire jour vite là. Oui, tu me vois? Pas du tout. En dessous, rentre dans le truc en métal. Ah, ok, dans le trou. Oui, tu sautes dans le trou. Ah, bah en fait, on était carrément pas loin. C'est un de paniquer. On sait jamais, hein. Oh, tu sais, c'est vite arrivé, hein. Ça. Nickel. Ouais, la CL que j'ai ramassée. Là, Carnot. Je suis dans le noir. Ouh. Je me sens mieux. Ah, fusil à canon. Ah, ouais, trop bien ça. Grave. Voilà. Ah, franchement, fais voir, je regarde. Du coup, que t'as eu. Alors. Putain, pas mal, tiens. Hop. Ah, il y a des bons loot, franchement, à choper quand t'es à l'extérieur. Carrément. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente? On fait une petite ellipse. On réattend la prochaine nuit. On remonte pour essayer de découvrir vraiment toute la surface. Allez. On fait ça? Bah, tiens, regarde. Attends, avant l'ellipse. Ah, oula. Non, sérieusement, avant l'ellipse, on reprend les dinos. Et on va attendre, voir quand est-ce qu'il fait jour. Comme ça, tu vas voir les flammes et tout ça. Mais on va pas se cramer, mais on reste à proxime. Okay. Non, là, ça crame. Là, il y a le feu partout. Ah oui. Effectivement, là, voilà. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas monter à la surface quand il fait jour, puisqu'on se retrouve littéralement cramé comme un vieux poulet au four, tout simplement, voilà. Donc si vous n'avez pas fêté Noël ou quoi que ce soit et vous voulez une dinde, regardez comment ça prend bien, il suffit de remonter à la surface sur Arc Aberration et ça prend très très vite, hein. En une fraction de seconde, tout le monde crame. Donc du coup, franchement, on serait resté là, moi je serais mort, mon dino il serait mort, on crame tous. Ce serait extrêmement rapide. Du coup, les copains, on va faire une petite ellipse. On va attendre que la nuit passe. Enfin, que la journée passe. Et puis, du coup, on se retrouve tout de suite. Du coup, nous revoilà, les copains. Alors, pour vous, une fraction de seconde. Pour nous, plusieurs minutes plus tard. Ça pue le mur invisible. Ouais. En plus, on arrive en bord de map. On va voir. Je tente. Mur invisible. C'est ce que je pense. En soi, on a découvert toute la zone, là, ça y est. Bah, en fait, moi, la zone du bas, je l'ai pas découverte. Putain, j'ai pas une couine au cul, moi. Tiens. Bouge. Ah, c'est vrai, il va tomber. Moi, j'ai plus de... Anto en panique, j'ai plus de stamina. C'est bon. Non, parce qu'en fait, ils peuvent te lancer des pics. J'ai entendu un bruit très alien, tu vois. Bon, du coup, les copains, voilà, comme je vous ai dit, on est en pure exploration. C'est que de l'exploration pour voir ce qu'il y a au-dessus de cette planète. Hein. Il y a pas de tamine, il y a rien pour le coup. Pourquoi pas essayer d'en faire sortir une et voir son niveau pour pourquoi pas essayer de lui casser la gueule. Bon, on descend carrément alors. Ah là. Ouais. Ah, je passe. Oh, 20, c'est bon, on se le fait. Vas-y, tape dans le tas. Hein. On va aller très vite, hein. Ouais, d'accord. Permettre. C'était rapide, hein. Facile et rapide. Ouais, c'était facile, hein. Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. On aura regardé un petit peu ce qui se passe sur les profondeurs, plus en hauteur sur la map Arc Aberration. Du coup, c'est cool, mais c'est vide pour le moment. C'est vachement vide, finalement. Donc ça peut être cool pour récupérer des beacons et tout qui en valent le coup pour le coup, mais sinon, à part avoir des kings, des nameless et des seekers, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc peut-être qu'après ça va être mappé, ils vont nous foutre des trucs en plus, hein, je pense. Hein. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand chose finalement sur cette map. Hein. Enfin, autant ça vaut le coup pour les beacons et tout, autant le reste pour le moment... Ça vaut pas trop le coup, je pense. Bah après, c'est parce que là, on y est allé en Drake, en fait. Donc c'est... Ah, merde. Ah, bah, c'est beaucoup plus facile quand t'es en Drake. Alors que justement, quand t'es en monture lambda et tout, comme on y avait été pendant le live, là, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est beaucoup... Ouais, en Ravager, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus complexe. Alors que là, on a la possibilité, en fait, on monte sur les parois, ce qui est beaucoup plus facile pour nous. Mais du coup, là, c'est plus de la découverte qu'autre chose. Donc du coup, les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, justement, de la surface d'aberration. Est-ce que vous la trouvez chouette ou pas? En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous
vous dis à demain pour un live Twitch, comme d'habitude. De toute façon, il y aura une petite vidéo informative, comme d'habitude, pour vous prévenir qu'il y aura un live sûrement aux alentours de 21h30. Sinon, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. Tout est listé dans la barre d'infos. Michel, je te fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour le live ou à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao tout le monde.